En tout cas, si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Moi, je vais directement lancer mon petit Pokémon parce que il faut que j'avance. J'ai pris 3 badges hier, mais on les a pris comment ces 3 badges? On les a pris comment ces 3 badges et surtout à quel prix? Voilà, c'était plutôt ça que je voulais dire. À quel prix on a récupéré ces 3 badges? Parce qu'on avait 4 Pokémon avant ce troisième badge. À la fin du troisième badge, on n'avait plus qu'un Pokémon. Du coup, j'ai réussi à choper un deuxième Pokémon. J'ai chopé un deuxième Pokémon après le troisième badge. Sauf que c'était qui le Pokémon? C'est un Serfous avec absentéisme. Donc, bon, c'est pas non plus la teuf, quoi. Et le problème, c'est que, vu que tous les combats sont des combats doubles sur cette session de Pokémon, étant donné que c'est plus marrant et que ça ajoute un peu plus d'enjeu, je me retrouve dans un petit bourbier. Parce que regardez ma team là actuellement, c'est quoi? Voilà. C'est Serfous 31 absentéisme avec des attaques pas dingues et l'euphorie. Après, l'euphorie avec mégaphone, franchement, c'est pas mal. Là, il faut vraiment que j'arrive à capturer un deuxième Pokémon. Là, vraiment, enfin, un troisième Pokémon qui peut être mon carry secondaire. Là, je voulais faire les pêcheurs pour justement prendre un peu d'XP et essayer de me remettre un peu plus safe. Donc, je compte faire quoi comme marque après Pokémon? Je sais pas encore. Là, déjà, je sais que je vais faire ce jeu-là. Donc, je vais finir Pokémon Blanc et Noir 2. J'aimerais le finir avant la sortie de Rise of the Ronin, qui est dans 8 jours, je crois. Et une fois que le jeu sera sorti, bah, on fera un autre truc, on verra. Hein. Dracaufeu is dead. Ouais, Dracaufeu, il est bien dead. Hein. Dracaufeu, c'est la run Dracaufeu, elle est partie dans le néant. Mais ouais, et surtout, là, il faut savoir que fin du mois, j'ai pas mal de trucs à faire. Pas mal de jeux qui m'attendent. Malheureusement, là, je peux pas le taper, lui. Turbo Brasier, ça fait quoi, ça? Le Cliktic, ouais, le Cliktic, il était tellement clutch. J'ai trop le seum pour le Cliktic. On verra la fin de Soleil et Lune avant la fin 2024 avec un peu de chance. En vrai, en vrai, oui. Premier degré, la fin de Soleil et Lune, ça va pas être maintenant, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit croc de givre, hein, ça sera très bien. Un petit rayon signal. Oh, j'aurais dû faire châtiment. Châtiment, c'est super efficace sur Ghost, non? Alors que insecte sur Ghost, c'est pas très efficace. Je sais pas pourquoi. Je confonds souvent les Pokémon ténèbres et les Pokémon spectres. Je vais faire un petit Vampigraine là. Vampigraine au moins, même si je peux pas taper, ça me fait un tour où je peux régénérer. C'est vrai que de base, je voulais faire un jeu Pokémon tous les 3-4 jours. Hein. Sauf que ce n'est jamais le cas. C'est impossible de finir un jeu Pokémon tous les 3-4 jours. Enfin, ce serait possible si je jouais énormément et que j'étais en full. Et que j'avais un peu de chat aussi, hein, parce qu'il faut le dire. Hein. Il faut un peu de chat quand même parfois. La roulade, c'est chiant. Attends, mais il a pas lancé Vampigraine? Pourquoi il a pas lancé Vampigraine? Pourquoi il a pas lancé Vampigraine, frère? Vampigraine, ça peut miss? Absentéisme. Non, absentéisme, c'est le deuxième tour. Donc non, premier tour, il est censé jouer quand même. J'aurais pu finir en 3-4 jours chaque jeu, mais ça aurait été d'une facilité, c'est vrai. C'est vrai que des runs, on va dire, un peu faciles, oui, j'aurais pu finir en 3-4 jours. Mais là au moins, c'est vrai que les runs sont pas simples quoi. Baymax m'a fait des folies. Baymax il m'a vraiment fait des dingueries. Donc j'allais me soigner vite fait. C'est dans quel ROM que tu avais le GOAT Palkia? Oh là, je sais plus du tout c'est dans quel ROM où j'avais Palkia ce GOAT. J'ai fait tellement de jeux, j'ai fait tellement de runs surtout que. Je me dis, ça aurait pu être dans n'importe laquelle. Bon, sauf les premières gènes évidemment.
Non, t'as un doc, juste en haut du chat, là, t'as un doc qui est épinglé, où t'as toutes les captures qui ont été faites, t'as tous les Pokémon qui sont morts, etc., qui est bien tenu par Baymax. Baymax, hein, le boss, hein, qui s'occupe de générer les ROM, qui s'occupe en plus ça de tenir à jour le doc, enfin... Il est ce gars, hein. Et Shikigamix, c'est vrai, Shikigamix qui à chaque fois me dit, tiens, vas-y, là, c'est tel numéro, c'est tel... C'est le OF numéro 47. C'est vrai. Au travail d'équipe. Donc là, on va pouvoir avancer. Et j'aimerais aller dans le désert des Lassans pour capturer un Pokémon dans le temple. Mais je crois que le temple, ça ne sert à rien. Je crois que ça sert à rien d'aller dans le temple maintenant. Ou peut-être que c'est juste dans Noir et Blanc 2. Enfin, Noir et Blanc 1. Où au début, ça sert à rien. Et après, ça sert. Je sais pas. Je crois que je dois aller dans l'autre ville déjà. Ah, c'est pour ça, il faudrait quand même que... Ah merde, j'avais pas battu elle. Ah merde. Je pensais que j'avais battu elle. J'avais battu elle. Avec son tir nocif, non? Les éleveurs, ils se battent tous les jours. Oh la conne. Oh la conne! Ah, j'étais sûr d'avoir battu! Dommage. Est-ce que ça le tue? Oui! Bon, ça va. C'est assez free. Bon, de toute façon, là, je peux pas le taper. C'est vraiment le pire talent du jeu, hein, absentéisme. Hein. C'est de la folie comme talent. Hein. C'est trop, trop, trop frustrant comme talent. Donc là, on est bien. J'ai battu tous les dresseurs de la zone. Ah non, pas eux. Eux, je les ai pas battus. Par contre, dans les vestiges à gauche, la meuf, si je la bats, est-ce qu'elle me soigne? À la base, c'est pour nerf un Pokémon de taré, donc bon, ça se comprend. Oui, c'est vrai. De base, c'est fait pour nerf Bonaf Limite. Bon. Compréhensible, hein, mais bon. Ça n'empêche pas que ça fout quand même le seum. Voilà. Normalement, il meurt du vampigraine et de la tempête. Lame de roc. Ça me fait un peu mal, mais c'est pas un Pokémon très... très physique, monsieur Mime. De toute façon, les Pokémon 6 sont rarement physiques. Donc là, je vais pouvoir faire de toute façon Osef. On va faire... Tiens, je vais faire Onde Boréale, c'est bien ça. Onde Boréale sur Tropius. Tropius, c'est quoi? C'est plante? Plan de vol? C'est plan de vol, il prend x4, c'est bien. Libre obscur. Ouais. Ouais. Non. Pas convaincu par Vibre obscur. Savez-vous, le Serfous, non, ça n'évolue même pas. Le Pokémon est trop trop gaze. Vraiment, il n'a rien pour lui. Je vous le dis, c'est... C'est ridicule. J'ai vraiment le démon d'avoir un Serfous avec absentéisme. Autant, sans absentéisme, ça peut faire des trucs, ça peut avoir des dégâts et tout, mais le Pokémon pue sa mère. Oui, il peut évoluer hein, dans une autre gène, mais... Voilà, quoi. Non, non, là, ma run, je vous le dis, ma run, elle est trop, trop, trop doomed, vous vous rendez pas compte. Donc là, ici, on a déjà capturé. Faut que j'aille dans la ville pour capturer. Elle, si je la bats, peut-être qu'elle me soigne, je crois. Ouais. Ça sert fousse. J'ai deux Pokémon, ça va? Elle me sonne pas, putain.
Si on perd ce soir et que Mate gagne, faudra se mettre à plusieurs de m'empêcher de sauter du haut de mon balcon. T'inquiète, on est deux, hein. Oh putain, mais y'a tellement de dresseurs ici, frère! Mais oui, c'est dans Légende Arceus qu'il est. Qu'il évolue Sarfous. Pas dans un jeu de base. En plus, ça commence à taper niveau level 1. Niveau 29, tout ça, ça commence à jouer un peu là. Ça me fait pas plaisir tout ça. Ouais, j'irais tellement plus vite à restart. Ouais, mais bon, ce serait beaucoup moins beau jeu. Je soigne. De toute façon, je peux soigner Sarfous pendant son tour, non? Mais est-ce que ça cancel le tour de comment dire? D'absentéisme, le fait de me soigner. Je posais la question là, j'avoue, je sais pas du tout. J'ai peur d'aller à la deuxième arène, je sais pas si level 23 minutes ça suffit. 23, je crois que c'est chaud hein. 23 deuxième arène avec les mêmes setups que j'ai là? Je pense que c'est chaud hein. Putain, mais y'a pas quelqu'un qui heal dans la zone, je t'en supplie. Et je crois que ça peut se randomiser le jeu switch, mais c'est une galère un peu. Oh le vilain crogivre. Donc j'ai les mêmes setups, j'ai pas précisé, j'ai un air bizarre garde mystique. Ça peut peut-être le faire hein. Air bizarre garde mystique, ça parle hein. En fait tout dépend de ta chatte hein, c'est tout hein. Oh le Mac Punch. Oh le vilain Mac Punch. Donc là j'essaye de me clear un peu la zone pour pouvoir ensuite avancer tranquillement pour pouvoir capturer des Pokémon là. Dites-moi, le prochain rival il est quand? Information très 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 importante à récupérer là. Une nouvelle zone là? Ils font quoi? Non, bah non. 187, abuse. La vitesse. Ouais, ouais, d'accord. 187 d'attaque à ce stade là, c'est beaucoup, hein. Y'a pas quelqu'un qui heal soon là? Je devais contre Chlorobule, non. C'est ça, c'est avant la prochaine ville, enfin c'est directement dans la prochaine ville, donc il faut que je sois soigné avant d'arriver sur eux là. Oh merci. Oh merci monsieur. Ok, la meuf elle a disparu. En plus je l'avais battu je crois, non? Non je l'ai pas battu je crois. Là c'est la ville directe et là-bas ça va être le temple, ok. Donc, attends, essaye de battre tout le monde là, comme ça au moins, hop, on est bien. Quatre Pokémon, Onyx Cornèbre, bon. Onyx Cornèbre, en vrai, Onyx les roches sol. Si je fais Crogivre, il se fait déchirer, non? Il a copié absentéisme le con. C'est tout? Mégaphone c'est tellement broken frère comme attaque. Depuis que j'ai mégaphone ma vie est tellement bien. Le problème c'est cette putain de tempête de sable de merde là. Elle casse les couilles à tout le monde. Ah. Ah ça va être plus chiant quoi. Ça va être un peu plus chiant bon, de toute façon, Osef.
que Magnézone, pas très efficace. Après, je peux le balayer. Aïe. Ok. Heureusement que l'euphorie, c'est pas très lourd. Hydroqueue, ça devrait aller. Quand même, hein. Quand même, je prends cher, hein. J'ai quasiment midlife là sur les deux attaques des Pokémon adverses. Si jamais je prends un crit sur le prochain tour, ça peut être mauvais. Il faudrait que j'arrive à one shot le Magnézone. Ok, c'est bon. Balèche, c'est le poids pas balayette. Ah ouais, putain, mais frère. Et l'idée d'appeler une attaque balayette, une attaque balayette. Pour moi, c'est les mêmes coups. Voilà, tu peux aller là. Attends, je vais me soigner vite fait. Merde. On va le soigner vite fait, les gars. Il y avait un item. Oh putain. En vrai, le cherche-objet, il est vraiment bien celui-là. Parce que t'es pas obligé de faire un coup de cherche-objet à chaque fois. Ce qui était assez chiant, soyons honnêtes. C'était vraiment très relou. Là, au moins, le cherche-objet, il reste actif tout le temps. C'est cool. Vivran of Dead. Après, je prends vraiment beaucoup d'XP là pour m'assurer un petit peu mon early, mais si jamais je tombe face à un gros Pokémon de combat qui me fait une grosse attaque stab sur l'Euphorie par exemple, autant vous dire que je donne peu cher de la peau de l'Euphorie, vu que ça a une défense très low. Oh, ça a ramené le petit frère, le grand frère, ok. Ça va. Ah, dégoûté. Ah, quoique, il va mourir de la tempête, c'est bien. Quoi? Il a pas pris de dégâts de la tempête? Bah. Il doit avoir un talent qui fait qu'il prend pas de dégâts de la tempête. Il avait pas garde mystique, mais il avait autre chose, je pense. Il avait le talent qui fait qu'il prend pas de dégâts qui ne sont pas directs. Attends, mais où l'objet? Ah, je suis sur l'objet, ça? Ok. Un gros lozen. Ouais. Il y a encore un objet par là. Ok. Un fossile! Oh, par contre, les fossiles, faut vraiment, vraiment que je trouve un endroit pour aller me faire mes fossiles. Comme ça, au moins, ça me donnera vraiment beaucoup de Pokémon en rab. Mais je sais pas quand est-ce qu'on peut faire nos fossiles dans Pokémon Noir et Blanc 2. Donc là, c'est mon rêve, hein. Contre Nicolas, non, Nicolas, on l'a fumé depuis. On l'a fumé. Je sais pas combien d'essais. Ce gros con. Peut-être un objet là, en haut à droite là. C'est bizarre que ce mec soit posté là. C'est post-game les fossiles? Non, tu mens, wesh. Tu mens, Golden X, tu parles au hasard là. Je viens du futur à partir de la 4ème arène, la run va devenir gothesque. Je sais pas pourquoi j'y crois pas. Je sais pas pourquoi là, je suis pas convaincu de ce que tu me dis là. Non, malheureusement, on a perdu hier et là il faut qu'on gagne ce soir. Si on gagne ce soir, on est en playoff. Si on perd, tout dépend de Géo. Voilà. Dracarmine, ouais. Et tu peux en avoir un chaque jour après avoir battu la ligue, ok. Je sais pas. Ce soir c'est contre Vita. Oui, ce soir c'est contre Vita. Après Vita ils sont en forme en ce moment. Hein. Ils sont vraiment en forme en ce moment, donc ça fait chier un peu. On a combien de badges là d'ailleurs? On en a 3. On en a 3 des badges. Quelle belle team. Eh hey, les gars, on se démerde avec ce qu'on a. On n'a pas vraiment eu le choix là. Au niveau de nos équipes, les gars, c'est la merde, mais bon, j'y peux pas grand chose. Hein.
C'est vrai, vont-ils nous rejoindre hors playoff? Bah, j'espère pas, hein. J'espère qu'on leur fait un bon petit message de bienvenue à cette équipe de mates. Ok, on en a là. En remettant une petite tarte et en allant chercher cette petite win là. C'est trop bien ce truc. Tu sais que souvent tu trolls, mais là t'as eu des Pokémon sauvages nuls. Ouais, là j'ai eu des Pokémon sauvages vraiment, vraiment gaze, hein, soyons honnêtes. J'ai vraiment pas eu de chat sur les Pokémon sauvages. Donc là j'avais capturé du coup le Surfus hein, dans cette zone là. Attends, ils veulent pas se taper, non? Ah non. Donc là il faut que je passe dans le château enfoui, ok. Ok. Faire du vélo dans le sable, c'est pas ouf. Hein. On joue Vita ou mate? On joue Vita. Oh, il y avait un petit Alakaz là? J'aurais pu avoir Alakazam au lieu de Surfus. La vie est une chienne. Faut que je la batte et après elle pourra me soigner. Et après j'irai directement dans le temple, j'essaierai d'éviter un peu les combats. Capture un troisième Pokémon et après je ferai les dresseurs de la zone. Comme ça au moins on sera bien. Il ne faut pas qu'il soit trop haut niveau non plus dans cette zone parce que déjà niveau 29, mon Surfus c'est pas très haut niveau. Mon Surfus peut crever à tout moment. J'ai un peu la flemme de perdre mon Surfus là. Parce que perdre mon Surfus là, c'est l'assurance d'une run de merde. Hein. Je peux vous le dire. T'as rejoué à Spiritfall en off, toujours aussi bien que ça c'est souffle. J'ai rejoué à Spiritfall en off. J'ai bien aimé. Et franchement, je trouve ça vraiment, vraiment cool, ça se souffle pas trop. Après, faut que je vois après avoir fait en gros, le jeu te dit que dans la suite de quête, tu dois finir le jeu 4 fois. Sauf que je sais toujours pas pourquoi. Donc ça on le découvrira après. Et peut-être que ça me débloque un truc en plus derrière et tout. Mais bon. Il y a les Darumacho statiques devant le temple. Oui, mais ça c'est dans Noir et Blanc 1 et c'est à partir d'un certain stade, c'est pas maintenant. Mais je sais pas si dans Noir et Blanc 2 ils y sont encore. Mais en vrai, l'euphorie ça fait plus de dégâts que ce que je pensais. Je pensais que c'était vraiment très très long en damage, mais finalement c'est pas si horrible. Ok. De toute façon, j'ai toujours pas le droit de capturer ici. Si le Free Final League, c'est grotesque. Hein. C'est vraiment, vraiment légendaire, c'est le Final League. C'est un aspect à peu près potable, il y a des 7 plaines dessus en strat qui pop des fois, mais c'est plus fun que fort, ok. Ouais, mais tu vois, en PvE, ça peut être ok, quoi. Oh, la bâtarde, elle est sur l'objet. Ah. Je crois qu'elle est en train de me regarder droit dans les yeux, là. Hein. Bon, prions pour que ce soit pas un Axoloto aussi, notre Pokémon de... Pokémon dans le temple, là, sinon j'aurais vraiment le démon. C'est bien ce qui me semblait. Beau drive et Hippodocus. Ouais. J'ai pas d'attaque plante malheureusement. J'ai une attaque ghost. Oh, il a retiré les effets de la météo, merci monsieur. Ouais, je fais pas tant de dégâts que ça, hein. Au Hippodocus, là, c'est... Ouais. Pas ouf. Une attaque glace qui touche les deux, surtout. J'ai pas d'attaque glace qui touche les deux, hein. Omborel, ça touche qu'une personne, hein. Et Crogivre, bah, ça touche une personne aussi. De toute façon, là, il est...
Il est sous absentéisme, on s'en fout. Ah, super efficace sur les deux, oui, ok. Ah, c'est vrai qu'il les vole. Attends, il s'est réveillé instant. Oh. Bien. Ah, mais c'est ce qu'il m'avait dit, Bmax. Il avait réduit le sommeil. Il a réduit les odds de sommeil. J'ai 85 d'attaque. En vrai, c'est pas non plus, pas non plus horrible. C'est pas non plus ouf. Il réduit considérablement son attaque, Osef. Donc c'est moins 2 en attaque sur mon adversaire. Si c'était moins 2 sur mes deux adversaires, je veux bien. On va descendre la bicyclette, vous avez raison. Ok, là je pourrais entrer dans le temple. Où est le temple, pitié? Il est là. Wesh. Il est l'objet? Ok. Ok, on va pouvoir capturer un nouveau Pokémon, les gars. Un nouveau Pokémon, pitié, faites qu'il soit bien. On va prendre les objets aussi. Hein. Il y a full objet dans ce désert, donc régalons-nous. Sachant qu'on peut avoir des vrais objets vraiment bien. D'énergie, ok. Allez, ça va être le moment, les gars. Ça va être le moment de tomber sur le Pokémon. Sur le Pokémon OP. Allez, une dinguerie, je vous en supplie. Une dinguerie, je vous en supplie, dans ce château enfoui. Mon gars. Une musique de fou, une musique de boss. Oh ok, musique de boss déjà. Pokémon de fou. Ouais. Bon, maintenant, faut réussir à le capturer. Oh putain, ça va être dur. Ça va être très dur à capturer. Ok. Ok, ok. Faut que j'arrive à le geler. Crogivre, gel, pitié. Incroyable. Régigiga sans son talent, mon rêve. Aïe. Oh, yeah. Mais il est en train de m'arracher en fait. Allez, Crogif, pitié. Pitié. Allez. Déjà, il a pas absentéisme ni début calme, les gars. C'est une très bonne chose. Bon, il m'a cramé, j'ai un peu le seum. Mais ça fait que j'ai plus de chances de le geler en étant cramé. Ah ouais? C'est horrible ce truc. Même quand je me soigne, ça baisse pas mon... Mais c'est trop nul. On sympa ta monotype normal incoming, j'avoue que... Après, déjà, il faut que j'arrive à le capturer. Hein. C'est très dur à capturer. Allez, faut que je gèle. Pitié, pitié. Pitié, sois gelé. Non. Mais jamais 37 plus, il met 37 plus en vrai. En plus, surtout là, je dois faire absentéisme. Enfin, je dois passer mon tour d'absentéisme. Faut que je passe mon tour d'absentéisme. Même si il me crit, il me tue pas. Ouais, pour antique, je sais pas. Peut-être. Non, ça va. Ok. Là, faut que je me soigne. Il est en train de me baiser toutes mes limonades. Hein. Je suis en train de goinfrer ce petit safousse de limonade là. Elle me dira pas qu'il manque de sucre, hein, le couze. Je peux faire 2 crogivres, je pense. Attends, on va voir. Je l'ai pas gelé. Ok, là, il faut que je sauve, que je mette l'euphorie. Dommage, j'ai pas de truc pour endormir ou quoi. Ouh, le crit a failli me faire très très peur. Mais ça va. Mais 50 hits ici. C'est une hyper ball, hein. Allez, il faut qu'il rentre, pitié. Régigas, mon gars! Je t'en soupirant dedans. Oh! Oh! Le rêve! Le rêve existe! Oh! Le rêve n'existe pas! Allez. Allez, pitié. Va rentrer. J'ai encore 4 hyperboles, les gars. C'est perdu.
Oh, le faux espoir de fou qu'il m'a donné. J'ai trop le démon, le faux espoir de malade. J'ai plus que 3 hyper balls. Après, j'ai des chrono balls. Allez. Ah, ça va être dur. La chrono ball, ce sera à partir de combien de tours que c'est vraiment au max? Je crois que c'est 20 tours plus, hein. Dans les chrono balls, il va rentrer. Il va rentrer dans la hyper déjà. Voilà, il va rentrer là. Ok, mais ça va être chaud. Au bout de 10 tours. Ton voie de ball, t'as la chance de capturer. Non, pas du tout. Dernière hyper ball. Après, je lancerai mes pokéballs. Et une fois que j'aurai plus de pokéballs, je lancerai les chrono balls. Allez. En manque ? Oui ! Yes ! Yes ! Yes ! Notre run est sauvé ! Notre run est sauvé ! Oh, ça, c'est le bonheur, ça. Ah. Et ça, c'est le Pokémon de Hera. C'est Hera numéro combien? Non, il a pas Call of Force parce que sinon il m'aurait fait beaucoup plus de dégâts. Oh, c'est magnifique. Oh, la joie. Merci à toi, NeoSquall76, pour ton deuxième mois d'abonnement. Il est fort, lui. Lui, c'est de la dinguerie. Voilà, je te le dis. En fait, de base, il a un talent qui fait qu'il a deux fois moins de vitesse en commençant le jeu et deux fois moins d'attaque, je crois. Il s'appelle Début Calme pendant les trois premiers tours. Sauf que en Nuzlocke, vu que j'ai les talents random, il ne l'a pas. Et donc, il a directement toutes ses stats dès le début. C'est OP. Vraiment, c'est OP. Oh. Ah, c'est 5 tours. Ah oui, c'est vraiment de la merde. Hein. Début calme. C'est vraiment une dinguerie comme c'est à chier. Alors, il avait quoi comme talent? Overrev. Réduit les PV d'un ennemi endormi. C'est pas un malus. Par contre, il a un talent. Enfin, il a une nature de merde. Il a moins en attaque. Mais bon, c'est pas grave. On prend. On prend tous les jours quand même. C'est fine. Je lui donnais le multi XP. Voilà, je vais aller soigner mes trucs. Et là, je vais aller XP. Hein. Oh là 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 là, c'est magnifique. Ma run est tellement sauvée. Après, j'ai un peu que des Pokémon de type normal. Donc, ça, c'est pas ouf. Mais bon, pas grave. Hein. Pourquoi je mets sur ma bicyclette dans le désert? Ça sert à rien. Et de vélo dans le désert déjà. Laissez-moi aller me soigner. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir XP sur tous les Pokémon de la zone et c'est bien. Le rêve existe finalement. Ouais, la run est tellement saved. La run est tellement saved là. Bon, si j'arrive à perdre les gigas, je suis vraiment un connard. Mais là, franchement, il faut juste que j'arrive à emmener les gigas, genre niveau 30, 35 et tout. Et là, on sera bien. Le meilleur Pokémon de type normal, oui, c'est lui. C'est Regigas, je pense. Je pense pas qu'il y a un. Il y a Monaflemite aussi. Il y a Monaflemite qui est exceptionnel. Mais je sais pas s'il a plus de stats Regigas ou pas. J'en ai aucune idée, j'avoue. Hein. Il y a Arceus, ouais, c'est vrai. Arceus, le Pokémon Lege, en effet. Et Regigas, il va pas rentrer en fight avant d'être vraiment setup. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Là, il va être en full chilling et il va prendre de l'XP. Hein. J'en ai rien à foutre hein, du reste. Hein. Coller ma stock. De type golem. Je crois que c'est Ghost, hein. C'est pas Rush. Rush Ghost, Golem Astok. Oui, ça a l'air d'être Ghost, hein. Ah, c'est Spectre Sol. Ok, c'est pas Rush alors. En tout cas, il est vraiment fantôme, donc good. Oh là 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 là, Hera qui prend des gros 1000 d'XP à chaque Pokémon, c'est fantastique. Le 25, plus 3 sur toutes les stats. Il veut retirer quoi plus mot que. J'aime pas regarder ses attaques d'ailleurs, tiens. 2 à 5 fois d'affilée avec sa queue robuste. Écrasement, ça fait quoi? Ouais, écrase l'ennemi avec un énorme pied, peut aussi apeurer. Assurance, c'est bien. Pouvoir antique, c'est bof. Je pense que c'est bien. Vas-y. Je vais garder. Regardez mes attaques. Bonne journée à tous sauf les bandeurs de Smolder. Réel, hein. Avec Smolder, hein. Et encore, hier, c'était pas tant de problèmes que ça, Smolder. Dans le draft, on avait vraiment de quoi la gérer, mais... Putain, c'est Drake, hein. C'est Drake de merde, hein. Ça nous a tellement baisé, je vous jure.
Je pourrais mettre force aussi à la place d'écrasement, non? Force, je pense que c'est bien. Hein. Le truc, c'est que force, ça peut pas flinch ou quoi. Ah, non, côté de la zone, ok. Il y a du dresseur à aller fumer, là. Il y a du dresseur à aller fumer. Après, on va aller chercher les objets. Petite session d'XP pour mon golem. Plaquage serait gigas, oui. Plaquage, mais bon, plaquage, je n'ai pas la possibilité de le mettre. Alors que force, j'ai déjà la possibilité de le mettre. C'est ça la grande différence. Erishigal, est-ce que j'ai une queue robuste? Ouais, on peut dire qu'elle est mi-figue, mi-raisin, quoi. D'ailleurs, j'ai vu un clip hier. Je ne sais pas pourquoi les gens sur d'autres plateformes de streaming sont un peu bizarres, quoi. Un clip de quelqu'un qui montre sa plume au queue. Je t'en mets. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Genre, pourquoi tu ferais ça, le cousin? Ça n'a vraiment aucun sens. Il a pété un câble après le coup d'eau. Oui, mais c'est pas une raison, je veux dire. C'est vraiment pas une raison. Hein. C'est une plateforme qui s'appelle Coup de pied, exactement. C'est vrai que la queue était pas... C'était pas trop la queue de fer, quoi. Il y a vraiment des gens fous, je sais pas. Et en plus, le pire, c'est que ces gens-là sont vraiment suivis de ouf, tu vois. Et moi, je ne comprends pas. Voilà, je vous le dis, hein. Mais je pense aussi qu'il y a énormément de gens qui sont très connes, hein. Voilà, il faut le dire, hein. Dans ce monde, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont très, très, très connes. Et que du coup, ils s'identifient à ces personnes-là. Et que ce qui fait qu'il y a une majorité de gens qui vont regarder ce genre de personnes pour, je sais pas moi, pour se divertir ou j'en sais rien. Mais ils sont de base pas très fut-fut. Après, c'est peut-être un peu condescendant de dire ça, mais c'est un peu mon avis, tu vois. Et je trouve que ça snowball beaucoup dans la... Dans, comment dire... Vers des trucs qui sont de plus en plus cons. Mais bon, après, comme je le dis, ce n'est que mon avis. Je n'ai pas la vérité vraie. Merde, attends, c'est vrai que je swap mes Pokémon. Je sais pas, en fait, le truc, c'est que nous, tu vois, on est des gens, on va dire, un peu normaux, tu vois, les gens qui regardent les streamers de Solaris, c'est les gens qui sont un peu... sauf ceux qui regardent Arcus, évidemment, mais... Mais tu vois, les gens qui regardent les gens de Solaris en général, c'est des gens qui sont assez chill, assez tranquilles. Mais les gens qui regardent ces gars-là qui sont totalement fous, je me dis, ils doivent être aussi un petit peu fous dans leur tête, quoi. Ou alors ils sont très jeunes, c'est aussi possible. Quand t'es très jeune, tu vas regarder des trucs un peu médiocres, quoi. Attends, mais il est quel type, lui? Il est glace, non? Ah, il est glace, glace dragon. J'aime bien regarder Narcus. Non, mais je rigole, moi aussi, hein, je regarde beaucoup Narcus. Hein. Sauf que c'est très certainement l'un des centres que je regarde le plus, d'ailleurs. Quelle mauvaise surprise, ce golem, comment ça? Comment ça, mon ref? Très bonne surprise, ce golem! Quand j'étais jeune, je regardais Sardoche Rager, je rigolais et j'étais médiocre, je l'avoue. Après, c'est fine, hein. C'est, comme je l'ai dit, hein, ça dépend des âges et en gros, en grandissant, tu vas consommer des contenus qui sont de plus en plus adaptés à toi et dépendant de quand tu grandis et tout, mais de manière générale, ça va être plus quand t'es jeune que tu vas regarder des contenus plus jeunes, quoi. En Génésecte, il est quoi? Il est insecte. Ça me fait un peu peur, ce combat. Je sais pas pourquoi je sens pas ouf ce combat là. Insecte acier.
j'ai rien du coup. J'ai pas grand chose de ouf là, c'est neutre sur lui. Ah non, c'est même pas neutre, c'est pas très efficace. Par contre, je l'ai flinché, et ça c'est très bien. J'ai one shot Waylord. Gris. Comment ça, ça a écrit à l'envers? C'est quoi? Comment ça le bug? Ça a que faiblesse feu. C'est une dinguerie, c'est OP. C'est vraiment OP d'avoir que faiblesse feu. Lion de fer, ça va. Ça lui donne de l'armure, mais pas de la défense P. Ça me va. Tellement OP, frère. Je fais que des crits. D'ailleurs, Genesect, hein, je trouve que le Pokémon est un peu gaze, voilà. Je suis pas fan de Genesect. Battu, déjà, non? Ça. J'ai déjà battu. En vrai, on a déjà battu quasiment tous les dresseurs de la zone, non? Lui, je l'ai pas battu, lui. Hein. Là, j'en double. Je vais me soigner vite fait avant. Quand j'étais jeune, je regardais du Kigiar, Unster et d'autres tutoriels Minecraft. Après, je ne sais pas qui sont ces gens. Donc, je peux pas te dire si c'était bien ou pas. Mais après, il y a des gens qui regardent aussi des trucs très cool quand ils étaient plus jeunes déjà. Hein. Attends, laisse-moi aller me soigner vite fait, tourne-toi. Oh, bâtard. Oh, bâtard, qu'est-ce qu'elle fout là, elle. Ses stats et ses résistances sont incroyables, mais le design pue la merde, donc le Poké naze. Ouais, je suis d'accord. En fait, le design d'un Pokémon, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Hein. En vrai de vrai, ça fait quasi tout, hein. Je viens de regarder le roi bisou sur LOL. C'est vrai que c'était il y a 10 ans, hein. Enfin, 10 ans. Pas 10 ans sur LOL, mais... Ça faisait au moins 7-8 ans, ouais. Ça date, hein. J'ai grandi avec Siphano et Frigel sur Minecraft, et maintenant c'est Michou la ref. Ah oui, normal hein. Ça évolue avec son temps, c'est logique hein. C'est bien, c'est une bonne chose. Moi je trouve que Michou c'est un bon exemple pour les jeunes. Franchement, pas grand chose à reprocher au Mich hein. Je le trouve très très bien. C'est un petit gars cool, qui se prend pas la tête. Je trouve plutôt sympa, qui met en avant des bonnes valeurs et tout, franchement. C'est bien que ce soit un Michou qui soit une image pour les jeunes aujourd'hui. Hein. Certains connaîtront Antoine Daniel pour ses live Twitch, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors qu'Antoine Daniel, le youtubeur, hein. Après, je sais qu'il était pas fan de ce qu'il faisait. Aujourd'hui, il est pas fan de ce qu'il faisait avant. C'est pour ça qu'il a arrêté de faire du YouTube, des what the cut, quoi. Et ça s'entend, hein. C'était un petit peu du foutage de gueule, quoi. What the cut, c'était tu prends le contenu de certaines personnes et tu le fous de leur gueule. Bon. Disons que le contenu est un petit peu à l'encontre de ce qui met en avant lui aussi de son côté aujourd'hui, quoi. Plutôt axé sur la bienveillance, sur tout ça. C'est du react, c'est un peu direct. Maintenant il se ferait cancel de fou, oui. Maintenant il se ferait pas mal cancel aujourd'hui en faisant ça. Mais bon, en même temps c'était une autre époque, donc c'est pas non plus préjudiciable ce OSEF. Ça reste de l'humour noir en quelque sorte. On peut dire ça. On peut dire que c'était un peu de l'humour noir, mais bon. C'est pas trop un humour qu'il pratique énormément aujourd'hui encore, quoi. Hein ? C'est barré ? Il va revenir de toute façon, non ? Ah non. Après c'était plus, oui c'était plus du second degré que de l'humour noir en vrai. Attends par contre le bluff ça m'active mon absentéisme. C'est abusé.
La nouvelle de Gibbs. Bah Gibbs a fêté son anniversaire il y a pas longtemps, il a l'air de bien aller tout ça, donc non franchement il vit sa meilleure vie hein. Poker, tennis. C'est très bien. Casse les couilles avec son bluff lui. Le Karatrox ça tank trop. Le Karatrox c'est trop chiant à tomber. Je suis passé à la télé ou pas? Oh Hera. Oh Hera, si tu as vu ce que tu étais. Mon bon Hera. Tu as touché le jackpot. Tu es le goat. Oh, vivement que je puisse mettre aussi ce Pokémon en premier, hein, parce que là, je suis à genoux à chaque fois, je suis là. Je suis en train de galérer avec mon vieux Serfous qui est absentéisme à tous les tours, je deviens totalement barjo. Je l'ai battu ou pas? Je l'ai battu lui? Je l'ai battu là ou pas? Battu? Ok, on a fait pas mal de tours là. Hein. On est bien, hein. Lui je l'ai battu aussi, j'en suis sûr. Je vais aller vers la gauche. Oh, le Carapagos, qui évolue en Terapagos. Pokémon qui est, pareil, un petit peu gaze. Heracl ne sait pas encore, mais il vient de sauver la run. Hein. Il est trop en train de sauver la run. Il est trop ce guy. Oui, l'euphorie carré de fou. L'euphorie carré de malade. Dans de la salle en plus, je suis stock comme lui, hein. Excuse-nous, hein. Excuse-nous, The Rock. Et là, il nous fait le Muscu Boy avec nous, là, alors que nous, on est juste là en train de jouer à des jeux vidéo. Nous, on est ces geeks-là. Il nous parle de salle, il nous parle de sport. C'était un câble. Après, je crois que je vais aller au padel à 18h aujourd'hui. Avant le match. Donc, je cutterai pas trop tard aujourd'hui. Je pense que je cutterai dans les entours de 16h, un truc comme ça. Je vais à la salle, logique que je sois Rigigas, en fait c'est RP. Donc tu fais pas partie de l'ordre des mages noirs. Il va falloir le permaban les gars. Les amis, vous pouvez dire au revoir à Hera. Qui ne fait pas partie de l'ordre. Si on gagne pas, je me fous en l'air, voilà c'est dit. Non, si on ne gagne pas, et que Mate gagne, on se fout en l'air. Si on gagne pas, et que Mate perd... Écoute. Ouais, tricherie. Ça dépend de l'attaque de l'adversaire, Flemme. Le seul vrai ange noir chez Soré, c'est Qatar. Arrête, wesh. Comment ça, le seul vrai ange, c'est Qatar, hein. Qatar, ce gros buzzer, t'oses dire que Qatar est un mage noir. Mais toi, t'as pété un câble. Toi, tu parles au hasard, toi. Tu parles trop au hasard, une dinguerie, hein. C'est une dinguerie de parler autant au hasard. Alors que je suis le plus au full time, enfin. Les gars, un peu de respect. Un peu de respect sur ma personne. Par contre, il me faudrait une information. Est-ce que là, dans le temple, il y a quelque chose à faire dans Pokémon Noir et Blanc 2 à ce moment-là ou pas encore? Que je sache. Ah, donc on va y aller alors. On va aller dans le temple. Je vais aller me soigner. Pyrex c'est maintenant? Non, Pyrex c'est pas maintenant, si. Si Pyrex c'est maintenant, c'est incroyable. Si c'est le premier Pokémon statique, ce sera pour Shadit. Et en plus, c'est un Pokémon qui a les stats de Pyrex. Il y a de chances que ce soit un très bon Pokémon, sans non plus être un légendaire de ouf. Mais ce qui veut dire qu'il rentrerait dans la team. Et il prendrait pas la place de Regigigas. Ça peut être un fabuleux, je crois, avec les stats de Pyrex, non? Y'a rien à faire, juste XP. Ah bah Osef alors. Il y aura plus tard. Hein. Les Pokémon scriptés, genre légendaires qui apparaissent, sont aussi aléatoires. Oui, oui. Mais en fait, ils sont aléatoires, mais... un Pokémon qui a, imaginons, 600 stats. On va dire, je sais pas moi, un Elector qui aurait environ 600 stats de base.
eh bien, sera remplacé par un autre Pokémon qui a environ ces stats-là. Donc, il y a de fortes chances que ce soit quand même randomisé par un légendaire. Et que ce soit pas un Pokémon nul. Il faut que j'aille acheter des Pokéballs aussi, c'est vrai. Bien vu. De toute façon, il faut que j'aille dans la prochaine ville, là. Je vais aller dans la prochaine ville. Et on sera bien. Là, c'est bon. On a fait ce qu'on avait à faire ici sur la route 4. On a capturé sur la route 4. On va pouvoir aller là-haut. On va aller directement ici. Ah non, ça c'est le truc où tu dois faire ton shop. En vrai de vrai, l'idée est trop bonne. Le fait de faire ton shop, tu mets les vendeurs que tu veux là-dedans et tout, c'est cool. Vas-y. Et tu dois les recruter. Voilà. Salut les bros. SLT. 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 Le bro. Salut le bro. Quoi ? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes ému? Waouh! Je suis ému! Wow! Allez! C'était en temps dans cette galerie juste parce qu'on pouvait avoir une Master Ball à la loterie, c'est vrai! Boss! Non, CEO! C'est moi le CEO, wesh! C'est aussi charmant, allez. Salut, toi, tu veux vendre des jus, toi, non? Allez, invité. Ouvrir sa boutique. Là, après, tu vends une boutique et en fait, en recrutant des gens, tu peux avoir des boutiques différentes. Ils vont être... là, par exemple, c'est une loterie. Et là, je vais gagner une Master Ball direct. Regardez, là. Master Ball direct, hop. Premier prix, une Master Ball. Allez, on joue. Ah, j'ai gagné le prix numéro 10, un jus de baie. Ah, nice. Et du coup, le lendemain, je pourrais rejouer pour essayer de gagner une Master Ball. Ah, le tirage d'aujourd'hui est fini, dégoûté. Voilà. Là, toi, on va te guider. Attends, non, arrête. Guider, voilà. Elle va pouvoir mettre... tiens. Ah, c'est pour la guider vers là-bas. Du coup, ça me fait un petit... Un petit client en plus, et ça me fait gagner des points. Et plus t'as de points, plus tu peux ouvrir de boutiques. En vrai, la mécanique était cool. Voilà. Tu peux recruter des gens. Ici, t'as un PC et tout, c'est un peu ton endroit. Tu vois, t'arrives là, t'as un PC, tu peux recruter des gens. Tu peux chill. Regarde, c'est tes petits bureaux. Alors ça, c'est voilà. À votre service, CEO. Tu sais quelle boutique, loterie ouvre-toi avec ça. Ok, c'est bon. Que puis-je pour vous? Non, c'est bon. On est bien là. Hâte d'être un Deoxys forme attaque avec Coloforce. Oui, oui, là, tu rêves un peu quand même. Un petit peu câblé. Oh, attends. Là, tu vas ouvrir une boutique, toi. Tiens, viens. Madame, venez travailler pour moi. Je suis ta plus grande fan. Invité, allez. Enchanté par les parfums de la nature. C'est quoi ça? C'est quoi sa boutique de merde? Je vais l'inviter, mais c'est quoi? Oh, ça a l'air gaze. Une jardinerie! Pourquoi c'est ouvrir une jardinerie? C'est nul à chier. Je peux ouvrir une jardinerie, moi. Je vais l'inviter, lui ouvrir quoi? Battre le cœur des visiteurs. Ah, ça me parle, ça. Ça, c'est un shop, juste. Non? Oh, une deuxième loterie! OMG! OMG, deuxième loterie, on y va, on joue. Ok. Je vais faire que des loteries? Putain! Alors, qu'est-ce que t'as comme baie? Est-ce que t'as des baies cool? De 4 baies marrons qui soignent le sommeil, soignent l'empoisonnement. C'est un objet assez rare en boutique. Les inventaires en donnent un certain prix. Ah ouais? Genre, je l'achète et ça coûtera plus cher en boutique? Attends, mais c'est... C'est de l'impression de billet, en fait. Si seulement les amateurs en donnent plus que 400. Si c'est le cas, c'est vraiment de l'impression de billet, hein. Aucun frère. Il faut que j'ouvre ma salle de sport, c'est vrai. C'est ça que tu peux aussi entraîner tes Pokémon. Pitié. Est-ce qu'il n'y a pas un petit... un petit sportif là qui arrive là? Laissez-moi ouvrir une salle de sport. Il n'y a plus de vendeurs, j'ai le seum. Enfin, il n'y a plus de clients. Ma galerie a flop. Wow, sans sas. Super.
Putain, je suis en plein flop. Attends, faut que je sorte et que je revienne, je pense. Je pense à la tech. Regarde, je sors, je reviens. Et là, il y aura des clients. En FF. Putain, j'ai le démon. Il faut une troisième loterie. Il faut une troisième loterie pour gagner la Master Ball. Après, c'est une chance sur combien de gagner le Master Ball? Peut-être online pour avoir full monde. Je crois que je peux pas, hein. Bah tant pis, hein. Tant pis, on essaiera de recruter d'autres gens plus tard, hein. J'ai pas un PNJ à qui je dois parler. Yo, ça va ou quoi? Donc là, le métro, c'est un endroit génial, on peut faire des combats de Pokémon dans le métro. Attention, car les chefs du métro sont là pour vérifier tes aptitudes. Ils sont vraiment costauds, sont les meilleurs dresseurs du métro de combat. Ce qui est encore mieux, c'est qu'on peut s'affronter à 2 contre 2. L'idée absolument générale, dit, tu devrais pas être mon partenaire. Attends, mais là, je crois que les combats sont chauds, non? Attends, est-ce que je dois faire ça ou pas, hein? Je crois que je dois faire ça. Il y a un objet là-bas qui est planqué. C'est optionnel, là. C'est optionnel, frère. Ça va vraiment pas les faire. Hein. Le risque de perdre mes Pokémon pour un truc optionnel, hein. Vous êtes des ouf, vous. Je ne suis pas fou, hein. L'XP est bonne. Hein. Pas sûr qu'il y ait de l'XP dans cette zone-ci. J'achète des hyper potions. Oh, j'en ai acheté 5 vite fait. On va avoir beaucoup d'argent, donc c'est bien. Antidote, tout ça, on a. Super repousse, je vais en prendre un peu. Kazoo. Je n'ose pas le Régigas ultime. Pas encore. Je l'ai pas encore use, donc pas très chaud. Draco queue, ça peut être bien. Draco souffle, ça peut être ok. Ouais. Ouais. Draco queue, ça retire aussi du combat, donc pas ouf. Ah oui, achète des balls, c'est vrai. Ouais. Bien vu, bien vu. Le problème, c'est qu'il y a que des super balls de merde. Je retourne à la ville d'avant en fait pour acheter des hyper balls. C'est ça mon problème. J'en achète 11. Avec 11 super balls, je peux capturer beaucoup de trucs déjà. Je vois pas aller à droite là? Dans le centre? Enfin, dans le. Le petit. Bah, il y a l'arène là, non? Il y a un truc dans la poubelle. Là, t'as 3 zones si tu veux. OMG, 3 zones. Mon rêve, hein. C'est pour un combat, c'est ça? Bon, pas spécialement après, hein. On verra ça après. Et il va me dire, ok. Le champion est absent pour le moment, tout près de l'entrée du parc. Elle devrait être dans le bâtiment abritant les montagnes russes. Bâtiment abritant les montagnes russes. Le bâtiment. L'entrée du parc, elle est où, wesh? C'est pas elle? C'est pas elle. Je veux voir s'il n'y a pas des petits items qui traînent. Passer devant. Une scuba ball. Je vais lui parler. Les ancêtres, là. Attends, déjà, je vais aller capturer 2 Pokémon. Ah, mais le montagne russe, c'est là, non? Ah, mais c'est elle. Non? C'est la meuf à qui je dois me battre. Attendez, attendez, capture de Pokémon déjà. Capture de Pokémon dans la route 16. Oh, mais il me voit de super loin! Non, en plus là, je crois que c'est au niveau en plus. Enfin, c'est au niveau. Je crois que c'est pas mal comme niveau. J'ai capturé dans la zone, il y a pire que soi. J'ai capturé dans le temple enfoui. Il abuse, c'est quoi cette vision panoramique qu'il a lui? 33 en plus. Ouah, sa mère. Le renouveau, il va pas passer, hein. Le renouveau, il va pas sortir de là, hein. Je vous le dis. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. On sait quand que je peux utiliser mon Régigas aussi là. Quand il sera niveau ouais, 32, 33 je pense.
On signale Osef. J'ai full défense P, donc vraiment les attaques P, moi je suis très content qu'on m'en fasse. Niveau 30. Magnifique. Aïe. Aïe. Bizarre, ça fait un peu mal quand même, ça fait chier. Ok, bon. Une petite capture, pitié. Une petite capture sympathique ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Un. Ouais, c'est quoi Pierre Lune qu'il me faut pour Muna? Ouais, ça évolue, ça évolue, ça évolue, hein. Après, ça évolue, je crois que ça se capture facile. Ouais, d'accord, c'est Pierre Lune, Muna. Ah. Ça peut être plus chiant à capturer que ça. Oh vas-y, mais le problème c'est que je peux pas l'affaiblir quoi. J'ai pas envie de l'affaiblir. Hein. Sont les rapid balls. Bah je peux pas en acheter. En fait on en a donné mais je peux pas en acheter. En vrai je pense pas que ce soit très dur à capturer Muna. Voilà ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Donc ce sera Omnu. Omnu numéro combien? Ça commence à avancer un petit peu la liste là. Elle commence à se réduire un peu la liste des gens qui ont des Pokémon, c'est bien. Omnu, il y en a eu beaucoup Omnu, hein. Un Chiki, c'est le numéro combien là? Dis-moi tout. 9? Ok. J'aurais pu avoir quoi d'autre dans cette zone? Voyons voir. Oh, bon, de toute façon, Muna, ok. Je sais quoi, je vais check un peu ce qu'il y avait dans la zone. Voir si jamais j'aurais pu avoir mieux. Juste pour me foutre le seum, tu vois. Cool, bon. Pareil, un Pokémon qui évolue, on sait pas trop en quoi. Hein. Play crash 1, de toute façon son talent serait parti. Oh, il y avait un Chapignon. Chapignon, c'est fort. Chapignon, ça aurait été bien en plus. Un petit Pokémon plante là. Plan de combat, le Pokémon est bon. Franchement, j'aurais pris avec grand plaisir ça. Continue plus loin, il y a la zone du bois des illusions. Ouais, mais je crois que c'est une zone plus haut niveau, donc je vais déjà aller me soigner vite fait. Il faudrait que j'ai la 16 vol aussi pour pouvoir comment dire, pour pouvoir retourner acheter une pierre lune, parce que je sais que ça s'achète dans l'une des premières villes, je sais plus exactement quelle ville, mais dans l'une des premières villes je peux en acheter. Après je vais avoir une zone à gauche où je pourrais capturer un autre Pokémon. On sera bien. Mais la dresseuse, elle est devant le... Vas-y, elle est devant les montagnes russes. Sauf qu'il faut que je trouve les montagnes russes, c'est tout. Et en ville, c'est la ville pour s'entraîner. Attends. Déjà, allons capturer. Là, à gauche, il y a la... Il y a la petite caravane, normalement. Putain. Ah, salut. Eh oh, qu'est-ce qu'il y a? Bien, j'ai un truc pour toi. Oh, merci! Merci, madame! En dehors du combat, c'est une capacité qui permet de vite te rendre à l'endroit de ton choix, généralement devant un centre Pokémon. Tu connais les trous cachés? Oui, c'est bon. Attends, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends quelque chose, j'ai eu très fini, je suis sûr de moi, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai entendu quoi? Hein? Il y a une zone planquée là? J'ai entendu quelque chose par ici. C'est là, on dirait qu'on peut s'y faufiler, regarde. Avec un passage praticable, voulez-vous vous y faufiler? Ok. Objet. Un Pokémon statique? Ramolos? Un sacré Pokémon pour se cacher dans un endroit pareil. Quelle découverte, quelle super top découverte. On devrait fouiller les autres arbres pour essayer de trouver d'autres trouées cachées. Attends, mais ça c'est le Pokémon statique de Shadid, ça? Donc Shadid, tu seras un Ramolos, là?
Ah, c'est le Pokémon statique du jeu, hein. Attends, mais... Attends, mais quoi? Appuyez pour être un Ramolos. Ah ouais, après ça évolue. Ça évolue. C'est magnifique. C'est magnifique, tiens, je le mets dans une petite scuba ball, là. Le frein statique, c'est le starter. Non, non, mais ça compte pas comme ça, mais ça, c'est... C'est juste un Ramolos, quoi. Shadid numéro combien? Ah putain, merde, le Pokémon statique de merde qu'il a eu, le pauvre. Ah, j'espère qu'il est volé en quelque chose de bien. J'espère qu'il est volé en quelque chose de bien. Évolue dans 3 niveaux. Ok, ça va, ça va, ça va. Pokémon crétin. Ah putain. Non, je vais l'évoluer en mode normal, quoi. Mais en vrai de vrai, est-ce que Hera est pas capable là déjà de faire le taf en fait? C'est ça la question, je pense que oui. Je pense que frérot, normalement il est censé pouvoir faire des trucs là déjà. J'ai pas un truc qui fait que je peux faire plus de dégâts avec des attaques normales là. Ce serait bien. Ce type ténèbres, pas ouf. Les capacités de type feu, je crois que j'ai un pied, j'ai un point feu. Vas-y, on va le mettre comme ça, tu sais quoi. Et notre esclave à 16, frère, ce sera le Serfous. C'est bon, je n'en peux plus. Je suis à genoux depuis tout à l'heure avec ce Serfous de merde là, donc c'est bon. Ce Serfous, il va prendre toutes les 16 du jeu. Et t'es des couilles, lui, allez. Vas-y, Del d'acier là, tu vas prendre ça. Tu revoles, tu vas prendre ça. T'as vu le truc de choix sur les gens de club de soirée fait par un ultra? Comment ça? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Je vais même te mettre coupe, allez, c'est quoi comme ça? T'as vraiment tout, quoi. Passe de balayage. C'est moi l'ultra gauche. Ah, c'est toi qui a fait ça? Très bien. Ah, j'ai vu la vidéo. Enfin, j'ai vu des vidéos sur le truc. C'est où tu votes pour les gens et tout. Attends, est-ce que l'air glaciaire c'est bien? Le problème c'est que je crois qu'il a pas une bonne attaque spé, je crois. Hein. Je suis pas sûr que ce soit spécialement opti. Après, ça tape les deux Pokémon. Attends, laisse-moi voir les stats de Régigas déjà. Il a beaucoup plus d'attaque que d'attaque spé, hein. C'est assez édifiant, donc on va pas mettre de truc attaque spé sur lui. On va essayer de lui mettre une attaque normale. Demi-tour, méga sens, châtiment, écosphère. Je n'ai que des attaques spé en fait. À part demi-tour, mais bon. Chadil qui a fermé le stream de rage. Totalement. Hein. Je peux même pas lui mettre close combat par contre, j'ai un peu le seum. Sont les mêmes qui finissent dernier, mais plus cool c'est de voir les noms de tous les monstres là, ça m'a plu via les souvenirs. Non mais t'as raison, c'est trop bien, c'est trop bien. Tournoi pour la légende du club, n'hésitez pas à aller voir sur le compte de gauche. Allez voir un petit peu. Par contre là je peux capturer un Pokémon du coup, j'ai pas capturé de Pokémon ici. Moi. Non là je peux capturer un truc hein. Pierre toi ton objet on va le prendre. De toute façon je vais garder multi-XP au pire, comme ça il va prendre beaucoup plus d'XP. Ah non mais, je peux laisser multi-XP, ça marche comme un 9 chances quand il est en combat. C'est très bien. XP. J'ai tellement d'objets à vendre aussi. Ah non, je l'ai mis sur l'autre. Oui, je l'ai mis sur Ramolos, c'est vrai. C'est vrai que je l'ai mis sur Ramolos, donc autant jouer comme ça. J'espère qu'ils sont pas trop au niveau. Faudrait que je fasse la ville avant de sortir de là. Là. Hey Shadi, t'as eu un Pokémon statique de fou? T'as eu un Pokémon statique de malade? T'as eu beaucoup de chat? En gros, c'était dans la petite zone à côté. Il y a eu Bianca qui m'a amené dans une petite zone d'herbe un peu planquée. Et franchement, t'as eu un bête de poké. Et merci à toi, OEP, pour ton OMG, OEP. Le retour de OEP, let's go. Les amis, OEP numéro 31 qui est en train d'arriver. Merci à toi pour ton sub T3.
Alligator, ça c'est du Pokémon, c'est réel. Alligator, quel Pokémon de fou. Hein. Après, tu évolues dans 3 niveaux. Donc, tu peux peut-être quelque chose, devenir quelque chose de bien. Oh, sa mère. Normalement, je le tue avant, donc ça va. C'est tout. Je fais que ça comme dégâts au Flagados. C'est pas beaucoup, hein. Putain, heureusement, par contre, que l'euphorie, ça tabasse, hein. Je peux pas laisser Shadid prendre ma place de flopper. Non, c'est réel, c'est réel. Ok, nouveau Pokémon dans la zone. C'est quoi? Scarabouche. Bon, ça va, hein. Scarabouche, je suis pas mécontent. Scarabouche, je suis en bois, c'est ok. Un rayon signal. C'est pas ouf, mais c'est pas nul. Ça évolue pas, mais oui, ça évolue pas, mais c'est pas grave. C'est moyen. Ni nul ni fort. D'ailleurs, je peux aller acheter une petite pierre lune, là, 2 secondes. Déjà, faut que je capture ce Scarabrut. Voilà, parfait. Nickel. Ce sera donc Silver Grey. Oh, Silver Grey, c'est le numéro combien, ça? Silver Grey, numéro 14. Merci, Shiki. Shikigamix. Silver Grey. Silver G numéro 14. Enfin quoi de la pierre lune? Bah faire évoluer Mina. Ça sera bien. C'est où déjà? C'était dans quelle ville déjà que je pouvais acheter? C'est pas voulu citer. C'était Onde-sur-Mer, je crois. Onde-sur-Mer ou Amaïde, je sais plus. Je viens de voir le doc, le premier Pokémon statique, c'est un putain de chien chidou. Apparemment. Ah, c'était pas là. Je crois pas que ce soit là, je crois que c'est la ville d'avant. Ouais. C'est la ville d'avant. Et courage, JRN Lejo. Mais t'as raison, il faut bien payer les factures à un moment. Il faut bien payer les factures, c'est normal d'aller bosser. Force à toi, t'inquiète, lorsque tu reviendras, t'auras tous les replays de toutes les games de Pokémon là, tu seras bien, de tout ce qu'on a fait, on sera à la ligue, tu seras tranquille, tu pourras attraper ça avec un grand sourire, t'en fais pas. Merci à toi Dark Binette pour ton 10e mois d'abonnement. Quand je vois la team, j'imagine que ce salopard de Baymax a encore frappé. Ah bah disons que la 3e arène a été un peu méchante, voilà. Je peux le dire, la 3e arène a été un peu vénère, ouais. Salut à toi le chien qui mord. Par contre, où est-ce que je peux acheter? Attends, déjà, on va faire évoluer le Muna. Voilà. C'est normal. On va faire. Voilà. On va faire évoluer le Muna. Omni numéro 9 qui évolue. Je les mets en YouTube, tes live Pokémon. Ouais, non. Ils arrivent, mais après, ça met du temps, quoi. Il y a trop de trucs à rattraper déjà. Alors. Et je vais racheter des Hyper Ball, oui. Il y a quelques mois de retard sur les live Pokémon, mais tranquille. Ça arrive. Oh, Arco, le starter of all time. Il évolue dans un niveau. Il évolue dans un niveau, c'est fine. Ok. Donc on doit faire évoluer 2 Pokémon, là. Ouais. Alors, je vais aller acheter mes Hyper Ball. C'est pas à Pavonnet, si. Non, c'est pas Pavone, ça devait être en sur-mer, hein, non? Non, c'est peut-être à Volucité, les hyper, je sais plus. Je sais plus, il y a trop de villes qui ont été faites là. Vraiment bien cette gêne, non, c'est trop trop bien. Hein. La gêne est vraiment cool, je trouve. Ah voilà, hyper boule. Achète, vent. Ça on est bien. Après hyper potion j'ai déjà assez, c'est bon, on est bien. J'allais me soigner. Et là on va l'XP. Guess ou pas le Arco? On verra. De toute façon déjà faut le faire évoluer. Il sort d'où le Régiga? Je l'ai eu en random dans le temple, ouais, j'ai eu full chat. Et j'ai réussi à le capturer, déjà c'est un miracle, hein. Vraiment. Je sais même pas comment j'ai réussi à le capturer, c'est fabuleux.
Le mec, il est dans le centre Pokémon, ça va pour soigner autre part. Ouais, mais c'est pour me soigner dans la ville où je veux aller de base, t'inquiète. Et merci à toi, Kazuya, 2712 pour ton 14e mois d'abonnement. Grand merci à toi. Monsieur, c'est capturé pour sauver la run réelle. Regarde, la nature, ça se trouve, c'est un monstre. Ah, mais en tout cas, il va changer, donc. C'est un peu osef, quoi. Soigne les problèmes de statue parfois. Par contre, Crofeu, Crogivre, il a cru que c'était un dog. J'ai rien compris le coup. Herbivore augmente l'attaque après une attaque plante. Ah, sachant que j'ai balle graine. Attends, est-ce que... Non, ça peut pas marcher comme ça. Imagine le talent, tu fais balle graine, ça fait 5 coups, t'augmentes 5 fois ton attaque. Non, non. Ça aurait été tellement OP. Ça aurait été tellement OP, mais faut pas rêver. Après, il a beaucoup d'attaques... Beaucoup d'attaques physiques, donc ça c'est bien. Par contre, l'air d'herbe, il va falloir que je la dégage. C'est le dernier mois pour valider le 70-30. Bah là, c'est fait, hein, là, non. J'ai pas spécialement les infos parce que mon truc est assez bizarre, je montrerai. Mais en fait, mon tableau de bord de Twitch ne m'affiche pas le truc du 70-30. Alors que non, c'est censé m'afficher. Mais bon, c'est assez chelou. Ah, c'est 6 mois, je prends une attaque plante. Hein. Ah, je peux mettre la musique, non? C'est là? C'est là la montagne russe. Ah, mais ça, c'est l'ancienne arène, non? Ça me semble que c'est l'ancienne arène. Ah, c'est ça. Bon, déjà, je vais battre elle là-bas. Vas-y. Comme ça, ça me donnait de l'XP. Et je vais pouvoir prendre la grande roue. Oh, un petit Victini niveau 31. Dangereux, hein. Victini 31, dangereux, hein. Il m'a dit qu'il était quoi, victime? Il m'a dit qu'il était assez feu, non? Ah, il est feu psy, ah, ça va. Si c'est ok. Oh, Tellurie, force de Manternel. En vrai, je prends des risques en envoyant mon comment dire, mon Régigas dès maintenant. C'est un peu dangereux. Par contre, je fais pas de dégâts. Pourquoi mon écrasement fait si peu de dégâts? Alors que le mégaphone de mon l'euphorie fait trop mal. Ça n'a aucun sens. Augmenter son attaque SP. Pourquoi? Ok, victime qui a augmenté ses stats ne peut pas me tuer. Normalement, Arco va évoluer juste après. Écrasement, c'est low, mais je vais lui mettre force, hein. Ok. Arco va évoluer, on va retirer, Pascado, hein. Donc Vendetta, c'est bien si le Pokémon est un peu lent. Le truc, c'est que c'est low, mais c'est Régigas, attaque stab, attaque physique. Normalement, c'est censé quand même faire des dégâts, tu vois. Je ne comprends pas. Mais justement, je sais pas, je dis l'inverse. Je dis que l'euphorie fait mal alors que Régigas ne fait pas mal. Ce qui n'est pas logique. Ok, le Arco va évoluer. Alors, en quoi va-t-il évoluer? Homme nu, numéro 9, qui était un Muna, qui a évolué en Arco avec une pierre lune et qui maintenant va évoluer en... Oh! Le Dracofeu! Retour du GOAT! Enfin, pas le GOAT, parce qu'il y a Voltali en GOAT, il y a Florizarre en GOAT, il y a Tortank en GOAT. Mais le retour! Le retour du petit Dracofeu qui voilà, qui voulait rentrer dans la team. Non, là, je suis en train de prendre la grande roue avec une meuf là. On est où là? Oh là là là, la run est tellement save! La run est tellement save! Donne des coups de pied, ça a l'air de lui plaire à lui. Attends, mais on prend la grande roue avec une femme enceinte en plus? T'as dû apprécier la balade. Bizarre l'ambiance là, hein. Très bizarre l'ambiance. Les gars, c'est pas nous, c'est le personnage. À bientôt, j'espère. Ouais. On se parle plus jamais, toi. Alors là, il faudrait que j'aille faire évoluer
Mon Ramolos. Attends, faut que je regarde le talent aussi de Omnu. Omnu numéro 9, il a évolué, donc il doit avoir un nouveau talent maintenant. Et c'est Minus. Augmente l'attaque spé si un Pokémon a Minus ou plus. Ah, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Par contre, il a full truc attaque, alors qu'il a beaucoup plus d'attaque spé que d'attaque. Donc, bon, un petit peu dommage. Pas dingue pour l'instant, Dracofeu, mais il va pouvoir apprendre de nouvelles attaques et il va peut-être être bien après. Ok. Elle m'a dit qu'il était où, lui? Tout près de l'entrée du parc, elle devrait être dans le bâtiment abritant les montagnes russes. Elle est où, la couze? Bon, déjà, je vais me soigner. Et après, je vais aller dans, dans l'ancienne arène. Je suis perdu, je suis un peu perdu. Près de l'entrée du parc. Dans le bâtiment abritant les montagnes russes. Alors qu'elle est pas dans le parc. L'entrée du parc, c'est là. Ici, est-ce que c'est les montagnes russes? C'est pas les montagnes russes, ça c'est le métro de combat. Mais elle est forcément là-dedans. Est-ce que c'est ça qu'ils appellent les montagnes russes? Attends, déjà, je prends l'objet là. OMG. Ok, montre. Trouve objet trouvé. Quoi? Hein? Allô? Oui, tout à fait, c'est bien mon vocal que vous avez trouvé. Je vous appelle avec mon ancien appareil, c'est pour ça que vous n'avez pas le son. Merci d'avoir récupéré mon vocal, je voudrais même pas le prendre tout de suite, mais je suis au travail et ça va pas être possible. Est-ce que vous pourriez le garder pour moi jusqu'à ce que je trouve le temps de venir le récupérer? Je m'appelle Brenda. Quoi? Est-ce que je puisse récupérer? Je vous recontacterai donc aussi régulièrement que possible. Quoi ce truc? Hein? Ah, je vous le dis, elle est là-dedans. Là-dedans, on va faire des montagnes russes, là. Quête de la fille à date. Ah ouais? C'est vraiment une quête? De vrai? Attends, mais pourquoi ils se battent pas, eux? Pas pitié. Elle vient quand, la navette, là? Elle en met du temps, la navette, hein? Non? Salut. Comment as-tu trouvé ces montagnes russes? Oh, bâtard! Il m'a baisé mon tour. Il m'a baisé mon tour, j'ai trop le seum. Pirax, c'est pas Pillusion, et B. Le mec ne rigole pas, hein. Oui, c'est l'ancienne arène, ouais, je sais, chef. Pouvoir antique, par contre, sur Pirax, il va prendre cher. Mad Punch, ouais. Après, le problème, c'est que c'est attaque SP, donc c'est pas non plus ouf, mais bon, écoute. Normalement, c'est quand même x4. Hein. Ah. Il avait une baie qu'il faisait tanker, donc j'ai déjà lui. Quel talent, le Régigas? Il a un talent, je sais plus quoi, mais il a pas un talent négatif, donc ça va. Ok, on augmente toutes nos stats, c'est bon. Oh là, la run, elle est vraiment bien. Ok. Chadwick qui passe niveau 35. Vous m'avez dit qu'il évolue niveau 37, c'est ça? Normalement en Flagados. Donc plus que deux niveaux pour le petit Ramolos. Pour qu'il devienne grand. C'est pas grand chose pour lui, hein. C'est gagner Régigas sans début calme. Je suis d'accord, hein. Mais là, normalement, run, elle est vraiment sauvée par rapport à ce début de run où on avait littéralement rien. Vraiment, on a commencé la run, on avait rien. Là, j'aimerais que les deux là, Pokémon que j'ai ici aillent jusqu'à la ligue. L'euphorie mérite d'être dans la ligue. Elle mérite vraiment d'être dans cette... Oh, mais attends, mais niveau 35, vous êtes des ouf, Mighty 37, ça évolue maintenant. C'est magnifique. Alors, Shadit, en quoi vas-tu évoluer? Est-ce qu'il y aura un truc bien ou un truc nul?
Ok, c'est un Gravalanche, il va évoluer plus tard, c'est pas grave. Normalement c'est avec échange, mais là il va évoluer par niveau, c'est fine. Bon, un peu gaze. Un peu gaze, soyons honnêtes, mais tranquille, tu réévolues. Après analyse des combats et compétition de data, je peux dire avec certitude que ce Regigas est une fraude. Ah, il est pas dingue, hein, il est vrai, mais bon, écoute, c'est pas grave. Hein. Pour l'instant. J'ai le boost. Donc, prochain niveau, très bien. Shadid, tu as voulu prochain niveau. Il est en train de nous cooker un truc de fou, c'est réel. Hein. Shadid va devenir un Pokémon de malade, je le sens. Je sais pas pourquoi, les gars, je le sens. Il va évoluer en un Pokémon de fou. Ça arrive très très fort, rester branché. J'aimerais bien fumer le Rhinastock avant. C'est que Rhinastock, ça tank quoi. Après ça tank le physique, mais ça tank pas le spé. Est-ce que j'ai mon Pokémon? Pas encore, Lolochi dans... 1, 2, 3, 4... Tu seras le dixième. Ça va. Lance-écrou. Lance-écrou, Shadit. Ça, c'est bien, ça. Attaque assez qui tape deux fois, c'est bien. Hein. Noir de bien-être fait récupérer la moitié de ses PV à la cible. J'ai des potions pour ça, c'est très bien. Lance-draco augmente l'attaque et la vitesse, ça peut être utile. Ultima point. Ouais. C'est quoi, je vais garder ça. Je sais jamais, s'il évolue en un Pokémon spé, j'aimerais bien avoir Balombra. Le dos que j'ai, ça, ça que t'es très stock hein. Gigas niveau 32, giga stock, giga fort, il fait tout ce qu'il faut faire, c'est parfait. Bah non, il fait rebond, j'espère juste qu'il me paralyse pas. Ah ça va, ah oui ok j'ai crit. Je me disais quand même, il faut un moment qu'il fasse des dégâts avec son attaque normale. Mais j'aimerais bien avoir plaquage, plaquage serait vraiment bien. Pour l'instant, pas ouf. Ok Shadit, nouvelle chance pour toi de devenir quelqu'un de grand. Après être un Ramolos, après devenir un Gravalanche, tu vas devenir une nouvelle personne. Et tu vas devenir un Nidorino. Faut que j'aille racheter une pierre lune. Putain, ça fait chier. Faut tirer les Pokémon à force. On va XP homme nu du coup, on y va. Ok, encore une autre évolution après les gars. Il y a encore une autre évolution. Ce n'est pas terminé. Bon, je vais me soigner quand même un peu, non? On sait jamais, mais je crois... Pourquoi je crois que je me bats pas contre elle maintenant? Désolé, elle est partie dans la nouvelle arène pour te dédommager d'avoir fait tout le chemin, tiens. Ah, merci. Antipara, ouais. Super. Et merci à toi Azazel pour ton deuxième mois d'abonnement. Je le colle ici, je serai un Rayquaza. Attends mais... Il n'aura pas de Pokémon Azazel, qu'est-ce que tu racontes? Genre les règles c'est 5 subs, 1 sub T3 ou 1500 bits. Mais peut-être que tu seras un Rayquaza si jamais tu rajoutes 4 subs à ton sub quoi. Mais bon.